Salut à tous, c'est Angel Dust. Aujourd'hui, petit tuto pour la plateforme JDRoll, qui est une plateforme de JDR virtuel par forum. Donc on joue nos parties de JDR préférées par forum interposé. C'est un mode asynchrone où chaque joueur et le MJ écrivent ensemble, de manière presque littéraire, la partie par forum interposé. Donc JDRoll est une plateforme qui permet de faire cela. Cette vidéo s'adresse essentiellement aux petits nouveaux de la plateforme, et j'espère pouvoir vous guider dans toutes les subtilités entre guillemets de la plateforme. Grand big up à la personne qui a créé JDRoll, qui l'a codé presque entièrement lui-même, à savoir Armaclan. Donc voilà, petite salutation à toi, cher créateur de JDRoll. Alors on est parti, je vous passe pas l'interface qui est hyper ergonomique, selon moi. À noter simplement qu'on a un chat up en bas, qui va nous permettre de discuter avec tout plein de gens super sympas. Et vous avez ici un petit slider qui va vous présenter toutes les parties qui recrutent. Voilà, TMJ qui cherche des joueurs pour jouer à Dark Heresy, les ombres d'Esteren, etc., etc. Allez, on est parti, on se log. Alors, je crois que c'est ça. Alors bien sûr, première étape, hop, on s'inscrit. On rentre mot de passe, login, etc. Email également. Et une fois que cela est fait, c'est très simple. Vous vous connectez. Hop, et vous voici connecté. Vous avez donc accès au chat. Coucou, c'est un test. Voilà. Vous pouvez discuter avec tout plein de gens super sympas. Comme je vous l'ai dit, et sur votre droite ici, vous avez un petit récapitulatif pardon, de vos parties en tant que PJ, de vos parties en tant que MJ, et normalement vous avez accès à tout, voilà, tout en haut. Alors on va commencer par les me-jeux, les créateurs, les créateurs de parties. Je vais vous montrer un petit peu comment créer une partie sur JDRoll. Alors déjà, petit tour, si vous allez donc jouer, voir toutes les campagnes, vous pouvez voir toutes les campagnes qui ont été créées avec leur état, c'est-à-dire le nombre de joueurs recherchés et le nombre de joueurs inscrits. Par exemple, cette partie de Nightcrawler a déjà 4 joueurs sur 4, le MJ c'est notre ami Armaclan, donc vous voyez qu'il est impossible de rejoindre cette partie. Ceci dit, on peut toujours essayer de rejoindre d'autres parties, les ombres d'Esteren, qui est encore en recherche, ou Trône de Fer ici, qui est également en recherche de joueurs. Donc si vous êtes simplement joueur, vous cliquez sur rejoindre partie et vous allez voir, c'est très simple par la suite. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Puisque en fait on va créer une partie et on va s'y inscrire. Alors, on va créer une partie donc. Ça s'adresse essentiellement au me-jeu. Vous allez donc jouer, créer une campagne. Hop, vous avez une petite page qui s'affiche, voilà, avec un peu tout. On tape le nom de notre campagne qui va s'appeler test. L'univers de la campagne qui va s'appeler test. Le système utilisé, vous l'aurez deviné, c'est test. On veut 4 joueurs. On peut mettre une bannière impérativement 150 par 150 pixels. Ça va être un petit peu l'image d'accueil de votre partie. Et vous avez divers statuts. Alors, quelles sont les diverses subtilités? De base, elle est mise en préparation, c'est-à-dire que toutes les parties qui sont en préparation, a priori, ne sont pas visibles par le commun des mortels. C'est-à-dire que vous faites votre tambouille dans votre coin, et le moment venu, il vous suffira de l'ouvrir. En pause, bon, je pense que c'est assez clair, et archiver également. On va l'ouvrir direct, cache, parce que nous on est comme ça. Voilà, cache. Et en description, mais ceci est un test. Et on est parti. Voilà. On a
maintenant notre partie test qui est ici, hein. On peut simplement y accéder ici, n'est-ce pas? Voilà, c'était très 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 simple. Alors à savoir que, donc je retourne à l'accueil, vous avez sur votre droite toutes les parties en tant que MJ. Si vous cliquez dessus, vous allez vous apercevoir que, hop, votre panneau ici est uniquement dédié à votre jeu test. Donc rien de très très sorcier. De base, on vous a créé trois fils, à savoir partie, mode off et système et contexte, que vous pourrez remplir tout simplement en, par exemple, hop, en allant ici, cliquez sur le plus, on ajoute un sujet, système test. Voilà, vous avez votre titre, on l'appelle comme on veut. On peut même, si on s'est planté de bouton plus, le bouger dans n'importe où, en partie par exemple. Voilà. Et si vous voulez que votre forum, enfin que votre fil apparaisse dans un certain ordre, on peut même stipuler l'emplacement. Voilà. Je pense que ça c'est assez assez facile. Donc ça peut être un fil standard ou vous pouvez le mettre en post-it. En post-it, c'est-à-dire qu'il sera toujours au-dessus des fils standards. Et enfin, vous pouvez l'ouvrir ou le fermer. Alors on va le laisser ouvert, comme ça on pourra laisser des messages. Se laisser des messages à nous-mêmes, c'est génial. Voilà, au niveau de l'accessibilité, vous pouvez soit en faire une section privée destinée à un joueur et un seul, ou bien l'ouvrir aux membres inscrits ou à tout le monde. Sachant que si vous cliquez sur privé ici, alors vous allez avoir normalement la liste des joueurs inscrits qui va s'afficher ici, et donc vous pourrez faire des sections privées visibles uniquement à certains joueurs. On va faire ça, on va dire OK. Ouais, hop, système test qui s'est ouvert. On va faire coucou. C'est un test. Voilà. Et voilà, coucou, c'est un test. C'est génial. Franchement, il n'y a rien de plus simple que de poster un message sur, sur JDRoll. On peut s'amuser à lancer des dés également. Si vous tapez 1D20 et que vous lancez le dé. Voilà, vous avez votre dé qui s'est lancé, vous avez fait 12. C'est un lanceur assez simple. Voilà. Alors, on va revenir là. Donc, comme je vous l'ai dit, vous avez toutes vos configurations. En plus, on a enregistré ici votre G. Vous pouvez, si système et contexte ça vous va pas, vous pouvez évidemment éditer la catégorie et dire ceci est encore un test et faire sauvegarder. Et voilà, vous avez votre fil qui a changé. A noter que, donc c'est toujours ce petit bouton là qui s'appelle éditer la catégorie, vous pouvez mettre une bannière 500 par 100 pixels qui va s'afficher si vous voulez une bannière. Donc là vraiment c'est ce qui est le plus simple. Si trois catégories ça vous plaît pas, genre on n'a pas besoin du mode off, on supprime, on dit oui. Et voilà. Ah oui, pardon, il faut supprimer le recensement, le recrutement, pardon, et on supprime le mode off. Hop, et voilà. Et si vous voulez en rajouter, vous pouvez configurer votre campagne ici même. Voilà. Hop, pardon, autant pour moi. Ajouter une section, voilà. Excusez-moi, c'est le petit bouton bleu ici. Ajouter une section, et vous ajoutez une section. Coucou. Vous sauvegardez, et vous avez une nouvelle section, coucou, qui est affichée ici, et vous pouvez y ajouter des messages. Jusque-là, je pense que c'est assez clair. On va rentrer dans la partie un peu plus, hop là, technique tatillon. Avec ce magnifique bouton que j'ai
sur lequel je cliquais par erreur, configurer l'espace campagne. Attention. Qu'est-ce que ça vous dit, configurer l'espace campagne? Vous avez évidemment une bannière. Cette bannière sera affichée en haut de chaque page. Pour vous montrer de manière très simple. Hop. Si on va dans Nightcrawler. Voilà. Vous avez une bannière ici qui va s'afficher à toutes les pages. Voilà, toutes les pages. En haut de chaque page, vous allez voir cette petite bannière. Donc essentiellement, elle sert à cela. Vous pouvez voir qu'on peut customiser, par exemple, là on est parti sur des tons un peu ocre, un peu orangé, mais si on va voir une autre campagne, mettons hop là, choc terminal. Eh ben, on va partir sur des tons plus un peu plus violacés, etc. Donc là, vous voyez, on a toujours cette possibilité de mettre des bannières en haut de chaque page et en haut de chaque catégorie. Voilà. Très très bien. Alors, on va revenir. On va jouer sur notre... On va faire Mumu sur notre partie, là. Donc, votre bannière, elle va servir à ça. La barre de séparation va vous permettre... c'est ce qui est affiché en théorie en haut de chaque page qui sépare un petit peu votre titre du reste. Et voilà, vous pouvez changer les couleurs des lignes. Mettons qu'on va un truc laid, on va partir sur les couleurs paires, on va mettre du rouge comme ça, hop, et les couleurs impaires, on va mettre du rouge encore plus foncé, encore plus moche. Et la barre latérale, on va la mettre en hyper rouge, super moche. Voilà. Et les liens, on va les mettre en noir. Ou en noir ou né, hop, ou en rose, allez hop, voilà, mettons, je fais mettre à jour la configuration, et vous voyez, c'est super moche, mais, vous avez changé les couleurs de votre forum, je sais, c'est moche, mais c'était simplement pour vous montrer, oh mon dieu, que ça pique les yeux, ah. On va revenir là. Hop. Voilà. Voilà, voilà. Bon. Ferme-toi, mon ami, ferme-toi. Voilà. Ensuite, vous avez des templates que vous pouvez mettre. Templates des personnages. Alors à quoi ça va servir le template des personnages? C'est à chaque fois que vous créez un personnage, vous pouvez mettre de base des informations dessus, quoi. Voilà. Vous pouvez mettre des choses qui vont revenir à chaque fois que vous créez un personnage. Ces informations-là vont être reportées. Et les informations dans la sidebar, c'est les informations que vous aurez sur le côté, là où c'est tout moche. Coucou test. Qui vont s'afficher là, donc ça va être très utile pour afficher, je sais pas, un décompte de points collectifs par exemple, le nom du chapitre dans lequel vous êtes, etc. etc. Hop là, vous voyez, maintenant vous avez sur le côté le petit coucou test que j'ai mis ici. Toutes les informations que vous voulez faire passer de manière très pratique sur le côté, ça tous les joueurs le voient. C'est bien beau, tout ça. On va pouvoir commencer à créer nos PNJ, on va pouvoir commencer à créer un certain nombre de choses. Donc par exemple, si vous cliquez sur galerie des PNJ, pour l'instant vous n'avez aucun PNJ. Si vous cliquez sur plus, voilà, vous avez donc le nom du personnage que vous pouvez mettre. Coucou, je sais, j'ai beaucoup d'inspiration. Test, vous pouvez uploader un avatar et vous avez ici description publique et une description privée qui est uniquement visible par vous et par vous-même. La description publique va être vue par tout le monde. Et les informations techniques, c'est genre j'ai 3 de force, j'ai 5 en endurance, etc. etc. Vous pouvez bien sûr
choisir si oui ou non votre personnage PNJ sera visible ou non visible dans la galerie. Mettons qu'elle le soit. Voilà, et donc vous avez votre ami Coucou qui est ici, qui est visible par tout le monde. Sa feuille de personnage, c'est ce qu'on a vu. Et puis ensuite, je vais passer un petit peu sur le reste, quoi. Vous pouvez transférer votre personnage à d'autres parties, en fait. Donc pour l'instant, on va pas le faire. Hop là. Tac. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que me jeu là-dessus? Bon, je pense qu'on a un peu fait le tour. On a un peu fait le tour de tout ce qu'on pouvait faire en tant que me jeu. À vous maintenant de personnaliser un petit peu tout cela. Avec vos postes, avec vos couleurs, avec vos lancers de dés, enfin vos règles du jeu. Vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses avec cette plateforme, créer des choses qui sont très 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 bien. Voilà. Seulement voilà, ça c'était côté me jeu. Que se passe-t-il lorsqu'on est côté joueur? Allez, je me connecte. Hop là, une fois qu'on est connecté, on peut, comme je vous l'ai dit, s'inscrire à une campagne. Et on va s'inscrire à la campagne test. Paf. Voilà, me voici inscrit à la campagne test. Sauf que je ne peux pas y jouer pour le moment, puisque il faut attendre que le me-jeu valide votre inscription. Donc je vous conseille en général d'envoyer un message via la messagerie au me-jeu en question pour lui signaler toute votre motivation pour jouer à sa partie, ou bien aller le alpaguer dans le chat. Hop, on se déconnecte, on va passer côté me-jeu, on va accepter notre joueur. Voilà. Hop, il est où mon joueur? Toc toc toc. Alors, touc touc touc, où est-ce que je peux faire ça? Est-ce là? Non, ce n'est pas là. Mes campagnes. Voilà. Détail. Et voilà, vous avez donc un joueur ici. Alors, je refais le cheminement pour ceux qui n'auraient pas tout suivi. Je vais dans jouer mes campagnes. On regarde dans quelle campagne on aime le jeu. Et on va sur détail. Vous avez donc le blabla que vous avez mis ici et le nombre de joueurs qui se sont inscrits. Et il suffit simplement de valider l'inscription. Voilà, votre joueur est inscrit. Il peut créer son personnage maintenant. Je vais créer un personnage fictif dans la partie test. Je me reconnecte en tant qu'Angel Dust. Et je vais voir dans mes campagnes, regardez, hop là! Elle est même sur le côté, c'est magique. C'est pour le fric. Non, je déconne. Et vous avez donc cette magnifique... cette magnifique partie qui a été créée avec des décors sublimes, des couleurs extraordinaires. Et en tant que joueur, vous avez ici votre personnage. Tac. Si vous cliquez dessus, eh ben, vous avez votre fiche de... personnage avec évidemment nom, concept, avatar, description publique, description privée, et vous voyez ici le template que j'avais mis nom, prénom, souvenez-vous, au niveau des templates des personnages. Donc ça va vous permettre de faire une sorte de template pour vos fiches de perso. Vous le mettez une fois et tous vos joueurs auront cela de pré-inscrit déjà ici. Voilà. Donc je m'appelle non personnage. Mon concept, c'est un concept.
Voilà, on peut mettre un avatar si on en a envie, une description publique, une description privée, remplir les infos techniques, voilà. En tant que joueur, une fois que vous sauvegardez, c'est très 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 simple. Voilà. Et une fois que vous êtes dans un fil, il suffit de répondre « Je passe par la fenêtre !» Et je fais une roulade à l'atterrissage. Oula. Ça doit pas s'écrire comme ça, atterrissage. Oh, presque. Et je peux même lancer un dé. Je lance un dé 6. Et je lance le dé et je réponds. Et vous voyez que mon personnage, à savoir moi, vient de faire une action. Franchement, il n'y a absolument rien de plus simple. En tant que me-jeu, vous avez l'opportunité d'écrire des messages, non seulement sous votre propre pseudo, à savoir me-jeu, quoi, mais vous pouvez aussi écrire des messages en tant que PNJ. Alors là, on n'a pas fait mumuse avec les avatars, mais normalement, donc, si vous postez en tant que MJ, vous avez votre avatar de MJ, mais si vous postez en tant que un des PNJ, eh bien, vous allez voir que c'est l'avatar du PNJ qui va être mis ici, là, en dessous de votre nom. Par exemple, le PNJ Coucou va dire « Fais attention !» Voilà. Répondre. Et voilà, vous pouvez voir que c'est bien le nom du PNJ qui apparaît avec la personne qui l'incarne en dessous, toujours entre parenthèses. Alors pour hop là, pour voir un truc un peu plus joli que les débilités que je viens de faire, on peut aller sur cette partie de Nightcrawler et regarder un petit peu ce qui s'est passé sur cette partie. Vous avez Armaclan, qui est le me-jeu, qui écrit une description, blablabla, blablabla, blablabla. Bla. Il fait alors intervenir un de ses PNJ qui s'appelle Varan. D'ailleurs, si vous cliquez dessus, vous avez un petit peu toute comment dire, les définitions de ce personnage, le concept, la description, voilà. Vous voyez bien en dessous qu'il est incarné par Armaclan, donc c'est un PNJ, et il va blablater, faire des choses, etc. etc. Et au final, l'intérêt de cette petite manip, c'est de rendre les choses encore plus immersives. Donc vous avez la couleur, vous avez les petites images, vous avez sur le côté non pas un pseudo bidon. Pardon Arma, hein, il n'est pas bidon ton pseudo, mais vous avez un pseudo bidon avec une image bidon de votre pseudo de base, et bien au lieu d'avoir ça, vous avez le nom des joueurs ou des PNJ, donc le nom des personnages en général, avec pour se situer qui l'incarne, et l'avatar du personnage en question. Donc vous voyez ici, on écrit notre partie au fur et à mesure. Par exemple, pour ma part, je joue sur Nightcrawler, donc c'est pour ça que je vous la montre. Je joue un certain personnage qui a un certain pseudo, enfin qui a un certain nom et un certain avatar. Si je poste sur une autre partie, par exemple, je suis également joueur sur Shock Terminal, et ben vous allez voir simplement. Ah, ça marche pas, si ça va marcher. Que on peut poster, alors ça marche pas chez moi, parce que notre ami Armaclan n'a pas donné le droit de regarder à tout le monde de voir la partie tout simplement. Mais en fait on a notre avatar de personnage qui apparaît. Je pense que vous avez bien compris le principe. Hein. C'est assez simple, assez intuitif. Alors, on résume rapidement, comment, en tant que joueur,
rejoindre une partie. Comment on fait? Alors, vous allez dans Jouer, rejoindre une campagne. Vous avez ensuite toutes les campagnes disponibles. Et vous pouvez rejoindre... Ah, pardon. Vous pouvez rejoindre la partie en cliquant sur Rejoindre partie. Une fois que vous avez rejoint une partie, vous pourrez poster à l'intérieur de cette partie. Et donc, faire votre roleplay, faire votre personnage, etc. de manière très intuitive. Si, alors, est-ce que j'ai besoin de vous le remontrer? Allez, je vous le remontre. Donc, une fois que vous avez rejoint une partie, vous pouvez poster à l'intérieur de cette partie en décrivant ce que vous faites. Et si vous faites répondre, vous allez voir que c'est votre personnage qui va parler. Voilà. Avec votre avatar. Donc attendez, je vais le supprimer parce que sinon on va me prendre pour un con. Voilà. Ensuite, vous avez sur le côté votre personnage ainsi que tous les autres. Donc vous pouvez voir les descriptions publiques des autres PJ. Vous avez votre personnage que vous pouvez éditer. Voilà. De manière très simple. Donc ici. Et vous avez la galerie des personnages ici. Avec tous les personnages secondaires, avec leur description. Bon, si vous cliquez dessus, vous avez la description. Maintenant, en tant que me-jeu, vous avez vos parties en tant que MJ ici. Vous pouvez réorganiser toutes les sections comme vous le souhaitez, vraiment comme vous le souhaitez, en éditant soit la catégorie, soit le fil en question, ou en créer, en ajoutant, donc en cliquant sur les petits plus, si vous voulez créer d'autres sections. Vous avez la possibilité, donc vous voyez, une nouvelle section qui vient de se créer. Vous avez la possibilité, bien sûr, de rajouter des images, des bannières, pour chacune de vos sections et pour l'en-tête. Ça va dynamiser un petit peu votre partie. Et en cliquant sur cette petite clé à molette là, vous avez la configuration de votre partie. Vous pouvez mettre une bannière, des barres de séparation, mettre une couleur à votre partie et changer un peu la couleur des lignes. Voilà. Et donc si on fait ça, on a un truc tout bleu sur le côté, voilà, comme je vous l'avais montré. Le template des personnages va vous servir pour chacun des personnages joueurs vont directement avoir de base les informations que vous allez mettre ici. Donc ça peut être une fiche de personnage déjà pré-remplie, c'est très pratique. Et sur le côté, vous pouvez mettre des informations visibles par tous, très utiles pour les points collectifs, des points d'expérience acquis, des choses comme cela. Vous pouvez également créer des personnages non-joueurs et éditer donc ces personnages, leur donner des avatars, des descriptions, des informations techniques. Et grâce à cela, vous pourrez les incarner. Alors, je suis désolé, c'est moche. Alors, je suis désolé, mais je pense que vous ferez bien mieux. Et donc, vous pourrez les incarner ici. Lorsque vous répondez, vous pouvez répondre en tant que me-jeu ou bien en tant que vos PNJ. Vous pouvez également répondre en tant que joueur. C'est très utile lorsque un joueur est absent. Vous décidez simplement d'en faire un PNJ. Et donc, vous pouvez répondre en tant que ce joueur-là. Je suis le joueur. Et donc, vous pouvez donc répondre en tant que un joueur ou un PNJ, sachant que toujours en dessous, vous ne pourrez pas truander la personne qui incarne
le personnage est bien écrit en dessous. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. J'espère que vous serez bien plus doué que moi pour créer une jolie section, une jolie campagne, à attirer plein de joueurs de votre côté. Et voilà, donc si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas, envoyez-moi des messages sur JDRoll, sur YouTube, sur le chat, par messagerie, etc., etc. C'est très 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 facile. Voilà, voilà, allez, c'est terminé. Have fun. Et à la prochaine. Salut.